بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو غنحاول ما يمكن نختصر على لا ليكتور ديال لو ريزومي، لان فيه اون سول باج. لو ريزومي خاص بلي تورسور سينيماتيك بالنسبة للميكانيك دو سوليد اس 3. دونك غنبداو بروبريتي فوندامونتال دي سوليد انديفورمابل. كنعرفوا بان لو شون دي فيتيس دي بوان لي ان اسباس اي ان تورسور. دونك لا بروميير شوز اللي خصكم تعرفوا بان لو شون دي فيتيس اي ان تورسور. قلت انا بان ماعرفش ندير لي ديمونستراسيون. بالنسبه لو ريزومي غتلقاوه في الصفحه ديال الاستاذ خالد الناجي. والرابط غنديرو في ديسكريبسيون. دونك لا ريزولتانت دو تورسور سينيماتيك اي اوميغا اللي كنسميوها la vitesse de rotation instantanée. Donc la formule de Varino, très importante, V de B est égal à V de A plus oméga produit vectoriel de AB, tel que B et A, deux points appartiennent au solide S. Et puisque le champ de vitesse est un torseur, donc dans deux éléments, les éléments de réduction de torseur cinématique, c'est oméga de S par rapport à R, lié à la résultante, et V de A par rapport à R. Bien sûr, V de A par rapport à R, je n'ai pas n'importe quel point, il a notre la vitesse fois notre point, quand nous avons la formule de Varenne. V de B est égal à V de A plus oméga produit vectoriel de AB. Une autre formule très importante, il y a oméga. Oméga, il s'appelle formule de Revals, rassemble des accélérations, oméga de B par rapport à R, est égal à oméga de A par rapport à R, c'est la même chose ici, plus l'équipe Z, on voit la dérivée de oméga par rapport à, de S par rapport à R, sur dt par rapport à R, bien sûr, produit vectoriel de AB. Donc ici, on a oméga, on a la dérivée de oméga, plus un autre terme, on voit oméga de S par rapport à R, produit vectoriel, de oméga, une autre fois de S par rapport à R, produit vectoriel de AB. C'est la formule, donc il nous l'a directement en dérivant la formule de Varenne. Donc, donc il nous va faire la vidéo prochaine, Inch'Allah. On va faire le résumé. Deuxième point très important, c'est comment on détermine AD oméga. Donc, le problème reste la détermination d'AD oméga. Donc, on a trois cas à déterminer oméga. Le cas du mouvement de translation, et là, quand un solide en translation, c'est-à-dire que tous les points qui appartiennent à l'ordre solide, ont la même vitesse, il y en a même direction, même sens, et même intensité. Donc, oméga de S, il n'y a pas de rotation, oméga de S par rapport à R est égal à 0. Je n'aurais pas la même formule de Varenne, c'est que V de B est égal à V de A, puisque oméga, puisqu'il y a le terme, s'annule. Donc, le terme s'annule. Le cas d'IL, mouvement de translation. Un autre mouvement, mouvement de rotation plane. Mouvement de rotation plane, et un item selon un seul axe. Supposons que la rotation d'IL solide, qu'il autour de l'axe Z. Autour de l'axe Z. Donc, oméga de S par rapport à R est égal à theta point, l'angle de rotation, fois Z0, l'axe de rotation. Faites le cas, V de A est égal à oméga de S, produit vectoriel OA, tel que O est fixe. L'ardoubienna, la vitesse de O est nulle. Donc, il a date. Formule de Varenne, V de A par rapport à R, on est égal à V n'importe quel point. L'ardou le plus simple, V de O par rapport à R, plus oméga de S par rapport à R, produit vectoriel OA. Or, O est fixe. On a l'asl de l'élément O est fixe. Donc, je vais prendre oméga de S par rapport à R, produit vectoriel OA. Troisième cas de mouvement, le plus compliqué, le cas de rotation quelconque. Le cas de rotation quelconque, quand il faut bien oméga de S par rapport à R est égal à la somme de oméga. I. Par exemple, il a qu'un S lié, S est lié, ou la R2 est lié
lié à S. Donc R2 est lié, un repère lié à S2. Donc oméga de S par rapport à R0 est égal oméga de R2 par rapport à R1 par exemple, plus oméga de R1 par rapport à R0. Avec R1, un repère intermédiaire. Voilà. D'avoir le résumé de qui fait le premier, le deuxième chapitre de Hasb torseur cinématique. En fait, la vidéo, je vais vous expliquer le cours, bien sûr. Le résumé, tout simplement. Je vais vous expliquer le cours, ce que démontrer toutes les relations de qui fait le résumé. Donc, on a fait la vidéo. Maintenant, partagez la vidéo avec vos amis, partagez le résumé, parce que vous ne serez jamais à la fin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.